J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bonus vu que je vais faire un post pour la DT Variation Créative donc sur Instagram et je me suis dit que j'allais vous proposer le tuto en vidéo. Donc c'est un DIY, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai trouvé ce concept sur Pinterest et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je me suis dit que ça serait cool de le faire pour le partager avec vous et que ça décorerait super bien ma scrap room. Comme vous l'entendez, j'ai encore la gorge assez prise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le tuto et je vous mets dans la barre d'informations toute la liste du matériel, etc. pour que vous puissiez le reproduire vous aussi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et du coup, si c'est le cas, je vous ferai sûrement d'autres vidéos DIY. C'est parti!
voilà un peu tout le monde ce que ça donne. Donc je trouve que ce petit DIY est super sympa. Moi, ça va me servir de déco au niveau de ma scrap room. En plus, avec la fête des mères qui arrive demain, si vous avez une petite cloche qui traîne, sachant que maintenant on en trouve un peu partout, vous voyez, ça nécessite pas énormément de matériel et je trouve que c'est un super cadeau décoratif. Je vais vous insérer quelques plans de la cloche du coup sur mon bureau pour que vous rendiez un petit peu mieux compte d'à quoi ça ressemble. Mais je pense que là déjà, ça parle d'elle-même. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire dans les commentaires si vous voulez plus de DIY de ce genre. J'ai pas mal de petites idées de décoration, toujours à base de choses en rapport avec le scrap et les planeurs. Je trouve que niveau déco, c'est super sympa, c'est très coloré. Après, bien sûr, vous pouvez adapter et choisir la collection que vous souhaitez. Vous pouvez très bien faire ça dans un style shabby ou dans un style plutôt hivernal si c'est pour faire une décoration de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!